Au t'es pas tous bien-aimés frères et sœurs. Il se passe en ce net moment à Gako, au Rwanda, des exercices militaires entre le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et puis les autres membres de l'AES. Et l'EAC, pardon, excusez-moi, l'EAC. Alors, vous savez quoi? Pour une fois, Tshisekedi a dit, moi je ne participe pas à ces imbécilités. Et nous saluons cette décision. Le Burundi qui soutient le Congo a aussi décliné. Il est porté absent à ces exercices. Il y a eu la dernière réunion des ministres de l'EAC et des chefs d'État de l'EAC. Les deux présidents du Burundi et de la RDC n'ont pas fait le déplacement. Et pire, ceux qui n'ont même pas voulu se connecter en vidéoconférence pour parler avec les autres. Pour une fois, Tshisekedi commence à regarder les choses avec plus de sérieux, plus de dignité. Et nous saluons cette action. Les deux présidents disent nous, on ne veut même pas parler avec vous. Celui Ndayishimiye a quand même envoyé un membre peu important pour aller assister, un représentant, mais ce n'est pas quelqu'un du haut sommet, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est juste un haut fonctionnaire qu'on a envoyé pour assister. Le Congo n'a envoyé personne. Je ne sais pas, moi je me suis toujours posé la question, mais que fait le Congo là-bas? Le Congo est un pays d'Afrique centrale. Les Occidentaux, les Américains, veulent mettre le Congo dans la région des Grands Lacs pour en faire une région à part entière, parce qu'eux, ils contrôlent les Grands Lacs, c'est-à-dire le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et les autres. Comme ils contrôlent ça, ils veulent prendre le Grand Congo, là, on amène là-bas, de telle sorte que le Congo puisse être celui qui va propulser le développement de ces pays. Bon, en fait, il ne va pas propulser, ils ont passé tout leur temps à piller les matières premières, ils ne se sont pas développés. Le Kenya n'est pas plus développé que le Congo Brazza, le Congo démocratique, le Cameroun et autres. Le Kenya, c'est un pays aussi pauvre d'ailleurs, très pauvre même. L'Ouganda, c'est pareil. Le Rwanda, c'est pareil. Tout ce qu'on vous a fait croire, là, c'était le mensonge. Donc, en réponse à cela, et puis en ce moment, au moment où nous parlons, les M23, les ADF, ADF c'est le groupe terroriste des Ougandais. Ils sont soutenus par l'UPDF, l'armée ougandaise. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour quelle personne, puisque les Nations Unies viennent de sortir un rapport dans lequel ils condamnent l'Ouganda et disent qu'il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Ce sont deux pays. Mais les Nations Unies ont pris le soin de ne pas parler du Kenya, parce que le Kenya aussi a ses soldats. Quand Tshisekedi avait fait venir l'EAC, il y avait aussi les troupes kenyanes. Et quand Tshisekedi les a chassés, les troupes kenyanes sont allées s'installer en Ouganda. Et puis de temps en temps, ils font des incursions, ils viennent pour tuer des gens au Congo démocratique. Voilà la réalité que les Nations Unies n'ont pas soulevé parce que on veut maintenant faire du Kenya le meilleur pays. C'est le Kenya maintenant qui gère, qui a pris la place du Rwanda. Parce que le Rwanda est tellement sali, surtout avec le dossier de Rwanda Classified. Et donc on se dit non, vaut mieux maintenant on fait un petit jeu de chaise musicale. Maintenant, on envoie la balle au Kenyan Ruto, qui est trop content. Lui, il a eu l'occasion de s'asseoir sur la chaise maudite du président américain au bureau Oval. Pour lui, il croit qu'il a vu Dieu. Il était assis sur le siège de Dieu. Il se trompe. Et il se trompe largement. Bravo pour cette députée kenyane qui a dénoncé justement le comportement. Nous, on ne savait pas. On croyait que non, les Kenyans étaient partis. En fait, ils ne sont pas partis.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient partis en Ouganda. Et puis de l'Ouganda, maintenant, ils sont revenus. Parce que ce sont, ils connaissent maintenant le terrain. Donc, soit il y en a qui sont là sur place avec les ADF, d'autres, ils font seulement des entrées et des allers-retours. Mais il y a un problème, c'est qu'en ce moment, ils se font massacrer. Eh oui, les Ougandais, les Rwandais, les Kenyans sont en train de se faire massacrer au Congo démocratique par l'armée congolaise et par les Ouazalendo. Voilà le grand problème. Mais vous ne pouvez pas cacher à des familles que qui savent que leurs enfants sont allés en mission dans un autre pays et qu'on ne peut plus contacter parce qu'ils sont allés au repos éternel, à l'enfer. Vous ne pouvez pas cacher ça longtemps. Donc la réponse à ça, c'est quoi? C'est qu'ils font, maintenant ils organisent des exercices militaires pour dire, pour intimider le pouvoir de Kinshasa, pour dire que nous avons le Congo-Brazzaville, on peut passer par le Congo-Brazzaville pour vous attaquer depuis Kinshasa, nous sommes prêts pour vous faire la guerre. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Le mal ne peut pas subsister, survivre aussi longtemps, éternellement. C'est pas possible, les gars. Le mal a une durée de vie qui est vraiment extrêmement limitée. Vous allez me dire, ça fait 30 ans, oui. Mais maintenant, la courbe est en train de changer. Le fusil a changé d'épaule. La peur a changé de camp. Ce que vous voyez là, ce n'est pas seulement l'intimidation, mais en fait, c'est la peur. Quand vous voyez quelqu'un se barricader, se protéger et tout, c'est parce que, pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on l'agresse. Le Rwanda va organiser des exercices militaires sur la base du fait que c'est pour la sécurité. Hein? Renforcer l'intégration sécuritaire de la sous-région et aussi sortir du sous-développement. Bon, d'abord parlons de la sécurité. Oh, depuis quand le Rwanda est en insécurité? Oh, il y a l'insécurité au Rwanda maintenant. Depuis quand? Là où il y a les Occidentaux qui sont là, qui viennent prendre les matières premières, vous allez trouver la sécurité. Mais attendez, il ne faut pas se moquer des gens. Paul Kagame l'a dit récemment, que les matières premières, là, ça ne reste pas ici chez moi. Ça va chez les autres. Ça va aux États-Unis, ça va à Londres, ça va. Il a dit. Et il vient de prendre ça chez lui, non? Il dit, ça passe seulement par chez moi. Et vous dites qu'il y a l'insécurité. Là où ils puissent les matières premières, là, il y a l'insécurité. Jamais. Il peut avoir un chaos maîtrisé quand le pouvoir est opposant à lui. Si c'est pas un pouvoir acquis, il ne peut pas avoir l'insécurité. Donc voilà, ça c'est le premier point. Dans la région des Grands Lacs, l'insécurité c'est au Congo démocratique. Mais le Congo ne participe pas à ces exercices, il n'y a plus besoin de ça. C'est ce qui fait qu'ils ne savent plus comment faire. Ruto ne sait plus qu'est-ce qu'il va dire aux Américains. Parce que sa mission, c'est prendre le Congo, amener avec lui. Mais le Congo refuse. Le Congo ne l'écoute pas. Le Congo ne veut même pas le voir. Ruto va faire quoi? Il va prendre son armée, venir l'installer depuis l'Ouganda et puis attaquer le Congo démocratique. C'est ça? Maintenant, l'autre point, c'est le développement. Le développement, ah bon, avec quelle matière première? Avec les mines du Congo. Vous voyez comme ils sont stupides. C'est-à-dire que ils sont quand les criminels ne sont pas intelligents. Ils sont criminels, mais ils ne sont pas intelligents. Oui? Kagame n'est pas intelligent. Museveni n'est pas intelligent. Ils ont passé 30 ans à piller les matières premières au profit des Occidentaux. Alors que ces mêmes matières premières-là, s'ils avaient de bonnes relations avec le Congo démocratique, ça allait permettre l'émancipation. Mais Patrice Lumumba l'a dit, le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Ça allait permettre l'émancipation de toute la sous-région. Je dirais même de l'Afrique centrale. Si le Congo va. C'est pour ça que les Occidentaux ne veulent pas que ça puisse marcher au Congo.
Parce qu'ils savent que si le Congo prend son monte en puissance, eh ben, ça va attirer les autres pays. Voilà la réalité. Donc ils font un exercice militaire de peur de perdre tous les hommes qu'ils envoient sur le terrain. Ils s'exercent pour voir comment on peut faire pour sauver ces hommes qui sont sur le terrain, ces terroristes. Maintenant, c'est peine perdue. Voilà le grand problème. Or, dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, amalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.